Je redis des trucs, c'est quoi? On dirait que c'est le monde d'avant. Ah, c'est vrai, depuis hier, ça craque.
Depuis hier, il vient d'arriver, il ouvre sa bouche. Mais ouvrir la bouche de quoi? Mais juste. Laisse-moi faire. Juste déjà, je vais juste dire un truc, hein. Je prends pas mal Abdel, hein. Mais j'ai un homme plus qu'elle. Et alors? C'est ta femme, certes, etc. Ah, mais juste qu'elle fasse attention des mots qu'elle sort de sa bouche. Ah, mais toi, frère, arrête de lui dire des choses, frère. Tu lui dis des trucs de ouf, toi aussi. Tu lui dis des trucs, tu t'as des trucs de ouf. Parce que moi, en un jour, on m'a jamais autant manqué de respect que toutes les années auxquelles je suis passé. Je te dis la vérité. Je dis rien, depuis hier, tu manques de respect, ça va, en fait. Alors là, ça veut dire que tu es arrivé, c'est la c'est ma femme, elle te rend manqué de respect, une fois, je l'ai embrouillé. Non, je l'ai embrouillé. Elle te rend manqué, une fois de respect, je l'ai embrouillé, cache. T'aurais dû te la casser sur la tête. D'accord, ok, attention. Regarde la cuisine. Quoi, la cuisine? Regarde. Mais mon cœur. Mais t'attends un peu, que ça se passe. Ah, c'est vrai, bien sur la cuisine. T'es un bon. Moi, j'ai fait, moi, hier. Ouais, mais même. Et alors? Tout le monde fait la cuisine dans ce cas-là. De chez moi, j'ai la façon de toi. Je vois, elle fait un coup de balai, je lui dis, viens faire ici pour qu'à moi tout soit propre. Elle commence à monter sur ses branches. On va pas foutre ça, va, t'es loin. Ouais. Normal, là, ça y est, les deux vont se mettre contre moi. C'est bien. Oh, toi, tu vas me chauffer, toi, tu vas en prendre une dans pas longtemps, toi. Ah ouais, c'est comme ça, hein. Ça va, s'il te plaît, arrête. Je prends maintenant simple, hein. Captain, viens vite fait, s'il te plaît. Ouais. Bon, regarde, Abdel. Je t'ai jamais manqué de respect, tout ça, j'ai toujours été bien avec toi, etc. Maintenant, entre guillemets, hein, c'est pas que je l'aime pas, hein, mais c'est quelqu'un des vices. Et moi, je les vois, je suis en arabe, tout ça, je vois les vices qu'elle fait. Je sais pas ce qu'elle a contre moi, si elle a une dent contre moi. Elle t'a fait quoi? Moi, j'en reste pas, t'as fait quoi? Faut pas croire que c'est tout. Elle t'a fait quoi? Je lui dis des choses simples, elle va te le voir, elle va te l'amplifier en x100 pour monter la tête contre moi. Ah bah jamais monté contre toi. Est-ce que, je vais te poser une question, simple. Est-ce que une fois depuis que t'es venu, je t'ai embrouillé? Non. Eh bah alors comment elle a pu monter la tête contre toi et comment j'ai pu t'embrouiller? Alors tu me dis que je t'ai pas embrouillé. Non, c'est pas question que tu m'as embrouillé, mais tu connais les petits trucs. Là sur le coup tu vas dire ouais vas-y, tu vas juste le laisser en tête, mais moi je te connais, t'es quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Qui réfléchit beaucoup, elle te connaît bien maintenant, ça fait un mois elle te connaît, un mois et demi, deux mois elle te connaît. Elle te connaît très très bien. Ça fait 3 mois. Ouais, 3 mois, même 6 mois, dans tous les cas ça change rien, elle te connaît très bien. Et du coup. Elle sait comment monter la tête. De toute façon, moi je vais pas dire, moi je suis pas le seul. Tu crois que je suis quoi? Tu crois que je suis un Pokémon? Tu me sors de la Pokéball et tu me dis attaque tonnerre, attaque. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais moi en tout cas, personnellement. Il y a personne, frérot, qui joue avec mon cerveau. Et si tu joues avec mon cerveau, c'est que je veux bien te jouer avec mon cerveau, frérot. À quel moment elle monte la tête, elle me fait ci, elle me fait ça? Ni toi tu vas monter contre elle, ni elle va monter contre toi. Je t'apprécie en tant qu'ami depuis très longtemps, c'est ma femme. Oui, bah oui, y a pas de problème. Je prends pas particulièrement bruit pour les deux. Par contre, si je vois qu'il y en a un qui commence à embrouiller plus l'autre que l'autre, si ma femme commence à mal te parler, je vais réagir avec elle. C'est normal qu'elle respecte mon ami, et mon ami, ça sera pareil aussi. Par contre, il faut que tu respectes aussi ma femme, parce que maintenant c'est ma femme, frérot. Ouais, mais ça je sais. C'est pas juste ma copine. Oui, j'ai compris ce que donc, tu dis. Donc il y a un respect mutuel. Mais après, juste. De côté. Juste, prends pas. En mode, moi je vais te dire la vérité, hein. C'est pas tout beau, tout rose. Dans le sens où. Dans aucun couple, c'est tout beau, tout rose. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que. Faut qu'elle. Elle commence à comprendre qu'il. Je sais pas, il y a des priorités. Je sais pas, je lui dis des trucs et faut pas qu'elle le prenne mal comme si c'était. C'est quoi les priorités? C'est quoi les priorités? Bah, je dis un truc simple. Hier, j'ai tout nettoyé. Normal. Je lui dis, vas-y maintenant, en mode, limite, c'est ton tour, tu vois, parce que je veux dire. Ouais. Elle commence à monter sur ses grands talons, tout ça, elle prend de haut. Non, mais n'importe quoi. Et, moi, de toute façon, moi, je sais que je suis pas le seul dans la pièce. Je suis pas la seule dans la. Je suis pas le seul. Depuis qu'elle est là, elle fait tout le temps le ménage, frère. Abdel, moi, je suis pas le seul dans la pièce à penser ça. Après, les gens, ils veulent pas te le dire en face. Moi, je vous le dis, en tout cas, c'est tout. Y'a qui? Attends, mais ça veut dire. Vous venez chez les déjà, gens. Soyez contents d'être là. Mais vous venez chez les gens. Et comment ça fait content d'être là? Ça fait des années que je viens là. Non, mais attends, j'ai aucun problème. C'est pas ça, c'est que. Tu me dis ça comme si. Vous venez chez les gens, ça veut dire vous venez chez les gens. Et vous pensez des choses des gens alors que vous êtes chez eux. Non, c'est pas. C'est qui les vicieux? C'est elle ou. Logiquement, tu penses quand tu vois des choses. Non, frère. Logiquement, quand tu vas chez quelqu'un, t'as un minimum de respect, frérot. Mais le respect, il est là. Moi, je t'ai déjà manqué de respect chez toi. Bah non, là, t'es en train de le faire, là, par contre. Ouais, parce que une personne différente qui, je sais pas, qui me pousse à dire des choses que j'aurais jamais dit pas auparavant, c'est tout. Ouais, bah c'est déblaye. Comment ça déblaye? Yasmina, voilà, oublie pas, je suis plus grand que toi. Voilà, moi, je suis pas ton petit frère, je te le dis. C'est pas Marseille. Va là-bas. C'est pas Marseille ici. Moi, je te le dis. Va là-bas. Comment ça, va là-bas?
tu vois parce que je vais, tu vois, moi c'est un truc tout simple. Tu as des petits trucs comme ça, là, va là-bas, moi j'ai pas 16 ans, Abdel, voilà. J'ai pas 16 ans. Ouais, tu peux en avoir même 30, qu'est-ce qu'il y a? Mais franchement, j'aurais 30 ans, moi je pense que tu serais bien mangé une, moi, je te le dis. Oussama, par contre, les menaces envers ma femme, je te non, il n'y a pas de menace, je lui dis juste... Il n'y a pas de menace, je lui dis. Arrête, tu viens me gifler. Mais tu crois que je vais te gifler voilà. C'est pas respect, tu crois que je vais te gifler ou quoi? Mais si je veux, si je voulais, je t'aurais déjà tarté depuis longtemps, mais c'est une question de respect, c'est tout. Moi, personnellement... Attends, tu vas dire à ma femme...